Quand vous avez un enfant de... Je vais vous donner un exemple concret, comme ça on va éviter de rentrer dans les détails un peu biologiques. Vous demandez à un enfant de 3 ans de lever ses bras. Il va tout lever. Au lieu de faire ça, l'enfant de 3 ans va faire ça. Il va avoir une réponse globale à une demande concernant une partie du corps. Parce qu'il a une vision globale de son corps. Il n'a pas encore de vision plus affinée parce qu'il n'a pas expérimenté tout ce champ des possibles en psychomotricité. Ouais, c'est compris ça? Le développement se fait comme ça et comme ça. On a une explication après en octobre qui est beaucoup plus affinée. Et donc, ça descend le long de la colonne vertébrale, hein, donc ça suit le trajet nerveux, et il fait comme ça ensuite, ce développement. Donc, ce qu'il va y avoir de plus dur à contrôler dans le mouvement, ce sont les extrémités, vous êtes d'accord avec moi, tout ce qui est loin de cette fameuse colonne vertébrale. Donc, ce qui va être très compliqué, ce sont les extrémités, les chevilles, les pieds, les orteils, les doigts. Hein, pour des enfants, c'est pas simple de faire ça, encore moins de faire ça, parce que les extrémités, eh ben, ils n'ont pas expérimenté encore tout ça. Et la myélinisation, elle se fait avec de la sollicitation. On sollicite l'enfant dans une demande psychomotrice. On lui demande un mouvement volontaire. Il y a tout un circuit qui se met en route. Ça passe par l'aire motrice, le cervelet, le bulbe rachidien, la colonne vertébrale, et ça va jusqu'au nerf moteur qui va jusqu'au muscle concerné. Donc c'est un petit peu compliqué, mais une fois qu'il a fait ce trajet, il a myélinisé un petit peu tout ça. Et à force de le faire, la myélinisation devient plus rapide. C'est-à-dire que vous avez déjà vu un enfant de 3 ans, vous lui demandez quelque chose, si vous lui demandez autre chose sitôt après, ce n'est pas possible. Il a besoin d'un temps pour assimiler la demande et pour faire tout ce trajet qui va du cerveau jusqu'au système nerveux central et jusqu'aux ramifications.